satisfaction. Faisons cette vidéo. Donc je vais vous montrer tous les kits que j'ai. Alors bien sûr, je vais pas les ouvrir parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Je vais juste vous montrer les kits que j'ai là dans mon meuble. Le seul qui a réellement servi, et beaucoup servi d'ailleurs, c'est le guide de Zelda, que mes fils ont utilisé très très souvent pour avancer dans le jeu, quoi. Donc là vous avez The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition, un sacré pavé, hein. Très très gros pavé de plus de 500 pages, qu'est-ce que je raconte, de plus de 1000 pages, 1100 pages exactement. C'est le kit le plus gros que j'ai. Red Dead Redemption 2. L'édition bien sûr collector. Vous avez The Last of Us Limited Edition Strategy Guide. Alors vous noterez que tous mes kits sont sale, c'est juste que je sais pas.
Canadian qu'ils avaient fait. Ils ont fait un kit pour ça. Vous avez le kit de Bloodborne. Alors évidemment, toutes les éditions que vous voyez, ce sont les éditions collector. Vous avez The Art of Horizon Zero Dawn. Ça c'est un Art of quoi. Vous avez aussi PlayStation 2 au départ. Et j'ai encore trouvé un carton. Et bah, il y en a encore dedans. Alors là, vous avez tout l'art de Death Stranding. Vous avez PlayStation volume 3. Vous avez le guide de Star Fox Zero. Vous avez le guide de Mass Effect Andromeda. Un guide encore scellé que j'avais acheté en solde. Assassin's Creed Syndicate, édition collector, bien sûr. Le kit du collectionneur PlayStation, qui fait partie de l'anthologie, qui était offerte en fait avec l'anthologie. Le kit collector de Star Wars Battlefront. Stock à l'époque. Le guide de Killzone 3, qui n'est pas une édition collector. Mais le guide US de Grand Theft Auto 5, qui n'est pas une édition collector non plus. Et là, vous aviez un petit jamais ouvert. Ça reste comme ça. Ouais, je vais vous montrer en vue d'ensemble la quantité de bouquins, de artbooks et de guides que j'ai. Là, vous avez donc tous les guides collector. Assassin's Creed Syndicate, qui est encore fermé. Voilà. C'est un sacré...
tel qu'Ursuline. Je pense que ça peut faire belle photo, ça, de miniature. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et pour celles et ceux qui voudraient découvrir ces artbooks ou ces guides, ils sont tous visibles sur ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à regarder dans les anciennes.